Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps et plonger dans l'univers du rétro en fabriquant de nos mains un porte-monnaie en cuir unique en son genre. Très symbolique de l'époque de nos grands-parents, malheureusement, il disparaît peu à peu des boutiques spécialisées. Nous allons donc redonner vie à ce grand classique des années 50, j'ai nommé le porte-monnaie à cliquer, aussi appelé porte-monnaie clic-clac. J'en profite également pour vous dire que si vous souhaitez réaliser ce projet de porte-monnaie, j'ai créé un patron que vous pouvez retrouver sous la vidéo en description. Avant de commencer, si vous aimez et que vous souhaitez me soutenir dans la création de ces vidéos, vous pouvez le faire sur ma page Tipeee. J'ai ajouté un palier à seulement 2€. Et si c'est toujours trop, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager les vidéos, car ça, c'est totalement gratuit. Allez, sans plus attendre, les différentes étapes de fabrication en vidéo, et on se retrouve juste après. Thank you.
Personnellement, j'aime bien ce petit côté vintage, et mine de rien, c'est super pratique comme porte-monnaie. À mon avis, ça ferait un chouette cadeau plein de nostalgie. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un pouce en l'air, de vous abonner et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Et pour ne rien louper, pensez à activer la cloche de notification. J'attends également tous vos retours en commentaire. Vous pouvez également nous rejoindre sur le Discord Domaine du Cuir qui regroupe des passionnés, des artisans, des créateurs, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est totalement gratuit, vous trouverez le lien en description juste sous la vidéo. Merci à tous d'être au rendez-vous à chaque sortie de vidéo, on se retrouve dès le mois prochain, d'ici là, soyez créatifs, prenez soin de vous et surtout, prenez soin des vôtres.